Bonjour, bonjour à tous. La mouture de la Constitution, la mouture officielle de la version actuelle, a été rendue publique par le gouvernement. C'est une très bonne chose parce qu'on pourra enfin discuter du fond. Jusque-là, on n'avait pas de version officielle. L'objectif est donc de créer le débat pour fonder nos convictions et aller voter en connaissance de cause avec un consentement libre et éclairé. Les enjeux pour nous au Gabon sont multiples. Mais il faut toujours se demander quel est l'objectif de la Constitution, quels sont nos challenges. Il s'agit d'avoir un document cadre, d'avoir la loi fondamentale du pays, le soubassement du Gabon dans 100 ans, 200 ans. Parce que la Constitution n'est pas un chiffon, comme on a fait l'ancien régime. Non, la Constitution, c'est un soubassement. Et on ne change pas le soubassement d'une maison. Les fondations sont censées durer très 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 longtemps. Donc l'objectif, c'est que le document qu'on veut, la constitution qu'on veut, celle qu'on va mettre en œuvre au Gabon, qu'elle tienne compte des enjeux présents, oui, mais qu'elle se projette aussi dans un avenir que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Qu'elle tienne compte de nos considérations personnelles, oui, mais qu'elle dépasse aussi ces considérations, parce que la somme des intérêts personnels est inférieure à l'intérêt général. Parfois, il faut souvent regarder la chose de manière globale et pas seulement se limiter à nos propres aspirations personnelles ou nos ressentis personnels. Il faut dépasser cela. C'est comme dans une maison. Il ne faut pas regarder que les fondations de sa chambre. Il faut regarder aussi la chambre du voisin, la chambre de l'autre, parce que tu peux avoir des fondations solides de toi, mais à côté, ça peut être fragile. Cette constitution doit nous garantir la séparation de pouvoir. Elle doit nous garantir la souveraineté nationale. Elle doit nous garantir des bases de l'égalité et de l'équité vis-à-vis des lois, mais de l'accès aussi à tous les droits. Elle doit nous garantir une restauration de la nation telle que on ne pense pas seulement au présent. On ne pense pas seulement à nos traumatismes, même si on en tient compte et c'est très important. Mais on réfléchit en fonction des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, qui n'auront pas forcément le même vécu que nous, et nous sommes censés faire des fondations pour eux. Une constitution qui doit aussi garantir l'intégrité territoriale, la protection intérieure et extérieure de notre pays. Nous avons besoin d'une constitution qui permette l'accès à l'emploi, qui protège les plus faibles. Une constitution qui fait du droit au logement un droit fondamental, parce que les Gabonais doivent être bien logés, bien soignés, bien traités. C'est une constitution qui est le fondement de toutes ces choses, de la justice sociale au Gabon, de la justice tout court. C'est une constitution qui doit empêcher que le plus riche ait tous les droits et que le plus pauvre n'ait rien. C'est une constitution qui doit permettre qu'on puisse avoir la répartition des richesses au Gabon. C'est une constitution qui doit nous donner envie. C'est une constitution qui doit accompagner l'hymne national, les symboles de la République, la devise du pays. En gros, c'est une loi fondamentale qui bâtit tous les espoirs du peuple gabonais, les espoirs mérités pour un avenir meilleur. Nous avons la chance, notre génération, comme celle des années 90 et peut-être comme celle des années 60, d'être participants de cette procédure. Alors, dans les prochains jours, je ferai plusieurs capsule sur les articles et les blocs de cette constitution jusqu'au 6 novembre, parce qu'il est normal d'informer, d'échanger. Pour le moment, il faut que chacun ait les éléments qui fondent son choix et son orientation, parce que beaucoup de choses peuvent paraître ambiguës, beaucoup de choses peuvent paraître incompréhensibles pour certains. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont déjà imprimé cette version officielle, qui ont déjà commencé à la lire. Et c'est important d'avoir des débats sur la place publique, sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers, dans nos familles. Consentement libre et éclairé. Pour que celui qui veut dire non dise non sur une base qui est une base forte. Et que celui qui veut dire oui dise oui sur une base qui est forte. Pas juste sur le j'aime ou j'aime pas telle ou telle personne. J'aime ou j'aime pas le CTRI. J'aime ou j'aime pas le PDG, j'aime ou j'aime pas la transition, j'aime ou j'aime pas.
On peut dépasser ce j'aime ou j'aime pas et construire quelque chose qui est plutôt voici ce dont on a besoin, voici le Gabon nouveau dans ton rêve, les fondations qu'on doit lui donner. Pour paraphraser Jerry Rawlings, des fondations telles que même si le diable veut prendre le pouvoir au Gabon, il n'y arrive pas. Et donc, pour mener à bien cet exercice d'information, d'échange sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, le premier référentiel de comparaison, ce sera le référentiel de 1991, donc la constitution de cette période, qui pour moi est la plus aboutie qu'on ait eue jusqu'à présent, pour des raisons que vous connaissez. Puis le second référentiel, ça va être la plus mauvaise, celle qu'Ali Bongo a laissée lorsqu'il a été déposé le 30 août 2023. Il faut toujours se comparer à ce qu'on avait. Et puis ensuite, il y aura le référentiel issu de la réflexion, on va dire, actualisée de la population gabonaise. Je parle donc du dialogue national inclusif, puisqu'il y a eu appel à contribution et que beaucoup de Gabonais ont contribué. Donc, il faut regarder quelles sont les conclusions de ce dialogue national inclusif et donc examiner la version courante de la Constitution à l'aune du rapport du dialogue national inclusif. Et enfin, il faut toujours comparer, donc droit à comparer, il faut toujours regarder ce qui se fait chez les voisins, notamment ceux de l'Afrique centrale. J'aurai donc ces quatre référentiels lorsque je ferai mes analyses sur les articles de la Constitution. Avant que les Gabonais n'aillent voter, il faut que jusqu'au 6 novembre, on les éclaire avant de donner des consignes de vote. C'est l'exercice auquel nous devons tous nous livrer, sans considération partisane, parce que c'est l'appel impérieux de cette constitution. C'est au-dessus de nos partisaneries, de nos petites volontés personnelles, de nos envies, de nos appréhensions, c'est au-dessus. Il faut se dépasser. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. On est ensemble.